Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre 17e mission en solo sur Icarus Forsaken Recovery. Et aujourd'hui, on continue notre installation dans la forêt. Allez, en route! Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc je vais remettre un toit comme ça. Et maintenant, bon, ça, tout ça, c'est pas des demi, trucs. Et forcément, c'est au moment où il y a une tempête que je me préoccupe de ça. Donc, tu vas me faire au moins un, voire un deuxième comme ça. Parce que là, on va mettre ça. Je peux tenter un truc comme ça? Comment ça marche ça? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, il y a une demi-pente. Est-ce que ça marche? Non, ça marche encore moins. Ça marche encore moins. Remets-toi un toit. Limite, remets-toi même un toit comme ça. Ça. Non, j'ai surtout besoin de plus de bois. Je passe tellement de temps à faire mon toit que du coup...
Donc, un comme ça. Ici. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Ça fait une certaine hauteur qui fait bizarre, mais c'est comme ça. Donc avec tout ça, j'avais dit qu'il me fallait du caillou. Il me faudra aussi manger, tiens. Ça pourrait être un concept intéressant. Touff. Fournaise. Fais-moi ça. Et on avait dit qu'il fallait 5 lingots de fer, 10 lingots de cuivre. Viens, et je dis. Et donc, du fer. C'est parti. Le cuivre. Ça fait 40 sur un nœud de cuivre, c'est pas mal ça. Le titane. Titane, ça serait cool aussi. Juste là, j'en vois plusieurs. Par contre, il y avait... Si. Du charbon. Si je me chope assez de titane, je pourrais me faire un fusil. On va te poser là. Maintenant on peut faire ça. Ça. Ça fait dans l'ordre. Donc 10 lingots de cuivre. Ça, je récupère un peu de bouffe sur toi. Oui, c'était ça que je voulais faire. Remplacer ça. Pris ton inventaire. Pose ça ici. Pose ça là. Mange un bout de bacon. Et va voir les autres grottes.
Ça, c'est la zone suivante. Les grottes, si j'ai une map pas loin. Moi, j'en ai une grosse, juste au-dessus. Oui, au lac. On va essayer de se récupérer quand même un max de cuivre. Au cas où. Cette paroi 12 mètres. Ok. Ici on a quoi? On a du cuivre, on a de l'or. Et on a du verre. On a de l'alu. Et on a de l'or. Et de l'or qu'on peut miner. Et on a du titane encore. Donc c'est parti. On va faire plein. Hey, c'est pas mal, ça fait 40 par... Ah. Alors que je fasse une petite rampe. Ouh, la bonne petite pneumonie. Pneumonie et tempête. Et je suis mouillé, je vais avoir froid. Ah non, c'est bon. Résistance au froid. De ma combi va me sauver. De ma, mon armure plutôt.
160. D'or. Je vais faire l'alu. Si j'arrivais à me faire 200 de titane, je pourrais envisager de me faire le super fusil. Mais il demande de fabricateur le super fusil. Ça ? Je sais plus. Oui, il demande de fabricateur. C'est-à-dire que si je fais le super fusil, c'est parce que je fais un extracteur. Moi, j'ai rechopé la pneumonie. Ça, c'est du platine. Charbon. Ouh, 40 sur un nœud. Quatre-vingts sur deux nœuds. Ouais. Ça se prend un peu de fer parce que... Il va en refalloir. Bon, cette grotte n'est pas loin. J'ai vidé l'or, j'ai vidé le titane. Je pense que j'ai assez de titane là-haut pour me faire un fusil. Donc clairement, je crois que j'ai pris assez d'aluminium. Quelques os, ça pourrait être pratique. Pardon. Du cuir aussi, il me fallait du cuir. Mais non, pas Bambi. Je vise un cerf, j'obtiens un fan. Voilà, c'était lui que je voulais.
et un loup. Au passage, j'utilise toujours pas mes super flèches. Si je vois un ours, je passe à la bonne flèche. Hein. Donc, toi ici, toi là, toi tu as terminé, tu peux donc faire le reste, ça je le pose ici en attendant. Ainsi que le caillou. Et honnêtement, la fourrure aussi. Donc, il en fallait 10, si mes souvenirs sont bons. Et 5, je les avais déjà. Ok. Gyroscope préparé. Dans le doute. J'ai toujours la pneumonie. Qu'est-ce que je le fais avec la pneumonie? La pneumonie. Qu'est-ce qu'il me faut déjà pour enlever la pneumonie? C'est un herbaliste avec antibiotiques, époxy, charbon, yeast. Peut-être me faire une herbaliste. Alors, du silica. De toute façon, il m'en faudra plus tard du silica, donc. Voilà, prends du silica. Herbaliste et ça. Heureusement que les secondes sont rapides. Hop, je veux quoi? Tu prends une place folle ou c'est... avec quoi? Là, il y avait rien du tout. Hâte de m'embêter. Fais un peu d'époxy avec le washbone. Fais un peu de ça, refait. Un max. Et prends-toi le l'antibiotique paste. Assez de charbon de bois pour ça. Non. Si, c'était ça. C'est sur la table d'herbaliste. Ah oui, bien sûr. Tu es bloqué. Je ne sais pas. Liste. Passage. Si l'ice, on va la poser. Ah bah. Ça devrait suffire. Hein. Mais le temps que ça soit prêt, j'aurai plus mon problème.
récupérer un peu de fer en priorité parce que... Shower. Oh. Le titane. J'en avais déjà récupéré 120. 160. Et 200. Donc 200 de titane. C'est bien ça ? Ah non, 160. J'en avais récupéré que 80. Envoie-moi du fer. Tant que ça se fasse, on va s'assurer qu'on a bien nos 200 de titane. Auquel cas, on va partir vers un fusil. Et un extracteur. J'ai bien chopé 40. Oui. Donc j'ai bien 200 de titane. C'est vraiment plus que du fer. Donc, ça c'est bon. C'est pas toi qui fallait manger, c'est toi. Et au passage, il va falloir taper du bois. Tu sèches. Très bien. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !